Bonjour à tous, je reviens vers vous avec grand plaisir afin de vous présenter les produits que je viens de recevoir ce matin. Donc je suis depuis 3 jours devenue ambassadrice de la marque Unique, qui est une marque de cosmétiques américaine qui a été fondée par un frère et une sœur. Voilà, je ne vais pas vous raconter toute la vie de la marque là dans cette vidéo, mais c'est une marque qui tente à aider la femme dans le monde entier à se libérer en fait et à devenir indépendante financièrement. Voilà, donc toutes les femmes peuvent être belles, on va dire, au travers de cette marque. Il suffit de le vouloir, de s'en donner un petit peu les moyens. Et lorsque l'on se sent belle, on devient belle, tout simplement, dans les yeux des autres. Donc, je vais vous présenter les produits que j'ai reçus ce matin. Donc, c'est mon kit de démarrage pour l'activité. Donc, ça se présente dans une jolie trousse comme ceci, qui est arrivée dans un très très beau coffret violet et noir magnifique. Donc, vous avez le logo de la marque juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Elle est vraiment très très belle, violette, un peu nacrée comme ça en simili. Vous avez une grande pochette devant, deux grosses pochettes sur les côtés, une pochette plastique derrière, et puis vous allez voir qu'à l'intérieur il y a encore plein de petites pochettes. Voilà, donc je vais vous montrer les produits que j'ai reçus dans cette petite mallette qui est très très jolie. Donc j'ai reçu 3 produits tout d'abord pour le teint. Donc j'ai reçu en premier lieu un nettoyant purifiant pour les pores de la peau, donc qui est un tube en fait de 100 ml, excusez-moi, je dis des bêtises. Voilà, donc pour se laver le visage avant de se maquiller ou après s'être démaquillé le soir. Voilà, donc on nous dit appliquer en massant sur le visage humide et rincer à l'eau. Hein, il n'y a rien de mystérieux dans l'application. Vous voyez qu'il est bien operculé. Je ne l'ai pas encore testé, donc je vais le tester dès ce soir pour pouvoir vous en parler davantage. Ensuite, j'ai reçu un petit vaporisateur d'eau de rose tonifiante qui fait 40 ml, lui. Et donc, c'est un brumisateur, tout simplement, avec un tonique à base d'hydrolat de rose, hein, tout simplement. Vous voyez que les packagings sont violets et dorés. Donc, vous les voyez peut-être un petit peu bleus à l'écran, mais ils sont bien un beau violet métallisé. Ils sont très, très beaux. J'ai testé ça tout à l'heure avant de me maquiller. Et l'odeur est juste parfaite, ça sent la rose mais pas trop trop fort, c'est une rose douce en fait. Et le troisième et dernier produit de soin que j'ai reçu dans ce kit de démarrage, c'est un sérum Uplift. Voilà, donc c'est un sérum un peu tenseur pour la peau du visage et du cou, et il se présente dans une très jolie petite fiole comme ceci. Vous voyez, avec une petite pompe, on voit le produit sur le dessous. Et donc, voilà, c'est une pipette, hein, tout simplement, une pipette en verre. Voilà, donc celui-ci fait 15 ml. Ensuite, dans ma petite trousse, il y avait 2 pinceaux. Donc, je les ai déballés parce que je m'en suis servie pour me maquiller, donc pour faire le maquillage que je vous venais de découvrir sur mon visage. Donc, nous avons tout d'abord un pinceau Deluxe Brush. Donc, c'est un pinceau plat en poil, mais qui est assez dense quand même. Donc, voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a écrit dessus. Tous les packaging, tous les produits, en fait, sont très, très épurés. J'aime beaucoup. Et puis, nous avons un second pinceau, lui, qui a double embout, donc toujours Unique Product. Donc, d'un côté, nous avons un embout mousse. Ça, en général, je m'en sers pas tellement. Donc, qui s'appelle Sponge Brush, puisque c'est un embout mousse. Et l'autre s'appelle Angly Shadow. Donc, c'est un pinceau, voilà, en poil, qui est un peu moins épais que celui que je vous ai présenté avant. Et qui est, vous voyez, qui est un petit peu oblique. Voilà, donc qui est plutôt bien, excusez-moi, qui est plutôt bien pour faire le coin externe de l'œil, etc. Donc voilà pour les accessoires que nous avions dans cette trousse. Et puis maintenant, tout ce qui reste, ça va être du maquillage. Donc tout d'abord, j'ai reçu
un fard, pardon, à paupières crème. Donc chez eux, ça s'appelle un splurge, donc cream shadow, ombre à paupières crème, voilà. Le nom de la couleur, c'est Hopeful. Ça se présente dans une petite boîte carton comme celle-ci. Et donc, le produit est dans un petit pot qui ressemble un petit peu au petit pot d'eyeliner crème, voilà. Donc, voici le dessus du bouchon qui est magnifique avec la marque. Vous voyez que c'est un pot en verre un petit peu dépoli comme ça. Là, il est très, 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 très beau. Et voici le produit à l'intérieur. Donc c'est un produit légèrement nacré, légèrement irisé. Il est rose. J'ai déjà mis mon doigt dedans parce que je l'ai utilisé pour faire une base en fait sur ma paupière. Et je vais vous le swatcher. Donc quand on le touche, ça bouge. C'est un produit un peu mousse, vous voyez. Donc je vais vous le swatcher et vous allez voir qu'il a une couleur mais magnifique. Moi, j'adore sa couleur. Et une fois qu'on l'a appliqué, notre doigt est très sec, en fait. C'est pas humide du tout, du tout, du tout. C'est très agréable au toucher. Donc, voici le swatch. J'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de bouger ma main un petit peu avec la lumière. C'est un rose bébé, un petit peu, mais qui a des reflets un peu argentés. Il est très, 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 très joli. Donc, on peut le porter seul sur la paupière ou on peut le porter avec d'autres fards. Et dans cette gamme, il y a bien sûr plusieurs couleurs, dont nacrées. Et puis, il y a aussi les mêmes, mais en mat. D'autres couleurs, hein, bien sûr, mais le même produit en mat. Ensuite, nous avons trois crayons. Donc, nous avons trois crayons. Les crayons se présentent dans des petites boîtes carton comme ceci. Donc, nous avons tout d'abord un crayon à œil, un eyeliner en teinte Perfect. Donc, c'est un crayon noir, tout simplement. Voilà. Je vais vous montrer la mine. C'est un crayon tout simple. Donc, je l'ai utilisé aujourd'hui, bien évidemment, puisque tout ce que j'ai sur le visage aujourd'hui a été réalisé avec les produits Unique que j'ai reçus. Voilà. Donc ce crayon à œil noir, je l'ai mis en muqueuse et je l'ai mis en ras de cils inférieur. Ça fait quelques heures, on va dire allez, 2 heures à peu près que je suis maquillée. Ça n'a pas bougé, il est très très agréable à appliquer, il est juste gras comme il faut, j'ai envie de dire. Moi j'ai le dessous de l'œil en fait assez sec, donc quand j'applique des crayons qui vont être un tout petit peu trop secs, ça va me faire mal, ça va tirer ma peau, ça va me faire mal. Et si j'applique un crayon qui est beaucoup trop gras, il va tout de suite filer en fait dans mes ridules de déshydratation, alors que là ça n'a pas bougé. Donc pour l'instant je suis plutôt très contente. Ensuite, un crayon pour les lèvres, donc pour le contour des lèvres, donc toujours une petite boîte noire comme ça, très sobre. Le crayon ressemble beaucoup à celui pour les yeux. Voilà. Sauf qu'en bout, vous avez la couleur. Donc celui-ci, il est de couleur plush. Et je ne vous ai pas fait le swatch par contre pour le crayon noir. Je vais peut-être vous faire un swatch sur ma main quand même. Même si je l'ai sur les yeux, ça va... Vous allez pouvoir quand même voir la couleur un petit peu mieux, hein, plus sympa. Donc, je vous fais un swatch à côté du splurge. Voilà, donc c'est un crayon noir, il est assez intense. Comme je vous dis, il est juste ce qu'il faut niveau qualité de la mine. Donc là, vous avez le crayon à lèvres, donc il est un peu vieux rose comme ceci, donc il s'appelle Splush. Je l'ai appliqué en contour des lèvres avant de mettre mon encre à lèvres, donc je vous fais un swatch aussi. Pareil, il est juste gras comme il faut, pas trop, pas trop peu, juste bien. Jusque là, les produits que je vous ai présentés, par contre, pardon, de maquillage n'ont pas d'odeur. C'est mon chien, excusez-moi. Le nettoyant pour le visage, je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas s'il a une odeur. Le sérum a aucune odeur, du tout, du tout, du tout. Moi, j'aurais bien aimé qu'il sente quelque chose, mais il sent rien. Ça, si, ça sent la rose, hein, la petite eau de rose, mais autrement, les crayons, etc., n'ont pas d'odeur. Voilà.
Et le troisième crayon est un crayon à sourcils en teinte médium. Et donc, il se présente ainsi. Voilà. Donc, d'un côté, vous avez la mine. C'est un porte-mine, en fait. Hein. D'un côté, vous avez la mine. Voilà, qui est sortie. Elle est toute fine. Donc, c'est très facile, en fait, de dessiner ses sourcils avec. C'est plutôt super bien. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez le petit goupillon, enfin la petite brosse, afin de pouvoir brosser vos sourcils, les mettre vraiment en place. Donc, voilà pour les trois crayons. Ensuite, on va passer aux produits lèvres. Pour les lèvres, nous avons deux produits. Donc, je vais vous montrer celui que j'apprécie le moins des deux, puis je vais vous montrer mon coup de cœur. Donc, tout d'abord, nous avons un lip gloss. Donc un gloss hein, pour les lèvres, voilà, en teinte lucide, voilà, qui se présente ainsi. La petite chose qui est plutôt sympa, c'est que nous avons un petit miroir derrière, donc on peut en fait l'emmener partout avec nous et puis faire une petite retouche de gloss dans la journée, n'importe où on se trouve, on a notre miroir. Là, on ne voit pas bien dans le miroir parce que je n'ai pas enlevé la protection. Hein. Rassurez-vous, c'est un vrai miroir. Hein. Donc, c'est un embout mousse comme ceci. Je vais vous faire un swatch du gloss que vous n'allez peut-être pas bien voir parce que c'est un rose pâle. Voilà. Donc, moi, les gloss, je les mets par-dessus, en petite touche, par-dessus un rouge à lèvres. Donc, voilà le gloss qui se trouve être sous les crayons. Voilà, donc c'est un joli rose un peu bébé, hein, mais il faut aimer les glosses. Et le deuxième produit lèvres qui est vraiment magnifique, déjà rien qu'au niveau du packaging, et vous allez voir qu'il est très 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 beau, se présente ainsi. Et vous avez donc le splatch décrit. En fait, c'est découpé dans le packaging noir. Et puis, vous voyez le produit par transparence à l'intérieur. Là, nous voyons aussi la couleur du produit. Donc, lui est en teinte. Donc, c'est toujours hein, présenté dans une petite boîte noire comme ceci. Lui est en teinte... Sentimental. Donc, sentimental. C'est celui donc que je porte aussi sur les lèvres, hein, bien sûr. Et puis, par-dessus, j'ai une petite touche de gloss au milieu de la lèvre. Donc là, c'est une encre à lèvres ou un rouge à lèvres mat. Voilà. Donc comme je vous dis, c'est un peu un vieux rose qui tire un peu sur le violine. Il est vraiment somptueux. Moi, j'adore cette couleur. Je suis ravie d'avoir reçu cette couleur-là parce que franchement, c'est ma préférée en fait. Hein, parce que bien sûr, tous les produits que je vous présente de maquillage, vous pouvez les trouver dans des déclinaisons de couleurs variées. Hein. Et puis, avant-dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est donc une petite palette de fards qui s'appelle Addiction One. Celle-ci, c'est la numéro 1. Il existe 5 palettes Addiction. Voilà. Et donc, vous allez me dire si vous pensez comme moi, mais moi, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à certains fards de la Naked 1 de chez Urban Decay. Voilà. Et la numéro 2, une petite palette comme ça, ressemble à la Naked 2. Et la numéro 3 ressemble à la Naked 3. Alors, c'est peut-être dans ma tête, mais vous irez faire un petit tour sur le site, vous regarderez. Vous me direz si vous pensez la même chose que moi. Mais il existe aussi la palette donc Addiction en numéro 4 et en numéro 5. La 5 est vraiment très très belle, il va falloir que je me la commande parce qu'elle me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, les couleurs, je vais vous faire les swatchs. Hein. Donc, la première teinte est un beige qui s'appelle Hated. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Hein, j'ai pas du tout, du tout, du tout un bon accent anglais. Hein. Je suis désolée, hein, je ne suis pas du tout, du tout, du tout bilingue. La deuxième s'appelle Sincère. Et la troisième, Brassy. Donc, je vais vous les swatcher ici. Ce sera mieux. Donc, la première, à mon avis, vous n'allez pas du tout la voir. Parce qu'elle est très, 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 très pâle. Bien sûr, il y a mon bracelet qui va nous jouer des siennes. Donc, la première, elle est ici. Elle est vraiment très, 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 très pâle. La seconde, elle est ici.
Elle est très claire aussi, c'est un joli rosé, un peu grisé, nacré. Et la troisième, qui est un petit peu couleur melon brillant, elle est vraiment très 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 belle. Après, nous avons Shipper, c'est un mat marron. Nous avons Chunky, qui est un peu or, j'ai envie de dire un peu or, mais un or où vous pouvez retrouver une nuance un peu argentée dedans. C'est vraiment très très beau. Et nous avons un brun foncé qui lui est Fort Try. Il restera une couleur. Donc le premier marron qui est un marron assez clair. Celui que je vous ai dit un petit peu or avec des sous-tons argent. C'est donc l'avant-dernier. Je nettoie mes doigts, excusez-moi. Donc les voilà. Donc le marron un peu clair, l'or argenté et le marron foncé. J'espère que vous allez bien voir les teintes parce que c'est pas très pratique. En fait, je m'y suis un peu mal pris. Et la dernière couleur qui s'appelle Zilous est un marron irisé. Alors, celle-là, je vais vous la faire là parce que sinon, vous verrez rien du tout. Voilà, c'est un marron avec des irisés très, 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 très jolis. Je vais me nettoyer le bras parce que sinon, je vais en mettre plein, plein, plein partout. Voilà. Donc voilà pour cette jolie petite palette qui me fait penser à la Naked 1. Bon, c'est un emballage carton mais qui est malgré tout très solide. Vous avez un miroir, je n'ai pas enlevé le plastique non plus. Et ça se ferme, vous voyez, par aimant. Donc c'est plutôt bien. Et le dernier produit que je vais vous présenter, c'est un produit phare de la marque. C'est mon produit chouchou. C'est donc le mascara Moonstruck 3D Fiber Lashes Plus. Vous le connaissez certainement de vue, hein, vous avez dû le voir passer sur internet. Voilà, donc c'est une grosse boîte comme ceci. Voilà, et c'est un mascara donc qui comprend des fibres qui vont nous aider à avoir des cils plus longs, plus étoffés. Donc je le porte bien sûr aujourd'hui aussi. Donc quand vous ouvrez la boîte, vous avez une petite pochette comme ceci, noire, dans laquelle se trouvent les deux tubes de mascara. Donc en fait, avec l'humidité de votre œil, la fibre va être ramenée en coin interne. Vous pourrez la retirer avec un coton-tige sans aucun problème. Vous n'aurez pas mal aux yeux, ça ne va pas vous dessécher la muqueuse, rien du tout. Franchement, j'adore ce produit. Ça fait des cils de fou, vous voyez, on a l'impression qu'on a vraiment un effet fossile. C'est très, 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 très sympathique. Vous pouvez en appliquer plusieurs couches si ça vous tente. Si une seule couche ne vous suffit pas, vous pouvez en appliquer plusieurs. Donc, c'est plutôt bien. Je vous redirai dans de prochaines vidéos, en fait, comment le maquillage a tenu tout au long de la journée, que ce soit au niveau des yeux, au niveau des lèvres. Je vous dirai aussi s'il a été facile de démaquiller mes yeux, en tout cas mes cils, parce que ce sont des produits qui sont tous fabriqués sur une base naturelle, mais qui sont résistants à l'eau au niveau des yeux. Donc je m'entends là-dessus, je vais vous expliquer. Ce ne sont pas des produits waterproof. Les produits waterproof sont traités en fait par des produits chimiques pour devenir waterproof. Or, dans les produits uniques, il n'y a pas d'état de saleté, on va dire, comme on peut trouver dans beaucoup d'autres produits. Et ils ne sont pas waterproof. Par contre, ils sont résistants à l'eau. C'est-à-dire que si vous êtes prise sous un gros orage, votre mascara ne va pas couler, votre crayon ne va pas couler. Si vous pleurez, que vous ne vous frottez pas les yeux voilà, énormément, votre mascara, votre crayon ne vont pas couler. Vous n'allez pas avoir des yeux de panda après avoir pleuré. Donc, c'est plutôt très intéressant. Moi, j'avais fait des swatchs comme ça, hein, tout simplement pour voir les produits avant de me maquiller. Quand j'ai voulu les retirer en me lavant les mains, tout simplement, il a fallu que je prenne plusieurs fois du savon et que je frotte avec une petite brosse à ongles parce que ce soit le crayon à œil ou que ce soit l'encre à lèvres, ça ne partait pas.
Voilà. Mais en frottant quand même pas mal avec, avec la petite brosse à ongles, c'est parti. Donc avec un démaquillant waterproof, ça doit s'en aller, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Ce n'est pas un maquillage permanent. Donc voilà, juste une petite mise en garde. Faites attention parce que nous retrouvons ce produit, enfin la copie de ce produit, sur les sites comme Wish, AliExpress, etc., etc. Et il y a beaucoup de personnes qui le vendent en fait en se faisant passer pour des ambassadrices de la marque Unique et qui ne le sont pas. Donc voilà, si on veut vous le vendre à un prix un peu plus intéressant que celui que le vrai en fait, n'hésitez pas à poser des questions à la personne pour essayer de savoir si elle est réellement ambassadrice Unique. Demandez-lui qu'elle vous montre d'autres produits, etc. Parce que si vous vous faites avoir, ben déjà vous vous serez fait avoir par rapport au prix, hein, parce que ce ne sera pas du tout un produit de même prix. Mais par contre, vous vous serez fait avoir aussi au niveau de la qualité. Et les produits qui viennent d'Asie, malheureusement, ne sont pas soumis aux mêmes normes que les produits qui viennent des États-Unis ou de l'Union européenne et sont très très souvent chargés en produits chimiques en tout genre. Il y a des acides, enfin il y a plein de choses qui sont très très mauvaises pour votre visage, mais aussi pour votre santé. Et vous risquez d'avoir des irritations, des allergies et de perdre vos cils. Donc c'est plutôt quand même intéressant de vous mettre en garde. Faites vraiment bien attention. Si vous achetez ce produit vous-même sur AliExpress, méfiez-vous quand même un petit peu. Et si quelqu'un essaye de vous le vendre, ce sera une escroquerie si la personne n'est pas ambassadeur ou ambassadrice, bien sûr. Donc voilà, je vous ai présenté la mallette, je vous ai présenté les produits. Je vais vous mettre des informations en barre d'infos, bien entendu. Je vais vous mettre aussi le lien de ma boutique en ligne en barre d'informations, puisque Unique se vend par le biais de réunions à domicile, comme beaucoup d'autres produits avec ce type de vente, on va dire. Mais pas seulement, donc nous ne sommes pas obligés de faire des réunions à domicile. Nous ne sommes pas obligés, voilà, de préparer une pièce, de faire venir du monde à la maison, etc., etc. Nous pouvons tout à fait acheter par le biais de réunions virtuelles. Donc si jamais vous êtes intéressé pour être hôtesse d'une réunion virtuelle, vous pouvez me contacter. Ce qui fait que vous n'aurez pas besoin d'être chez vous à ce moment-là, etc., etc. Vous n'aurez pas les désagréments. Mais vous pourrez tout à fait quand même gagner des petits cadeaux d'hôtesse. Donc c'est plutôt très intéressant. Et donc la réunion se passera en ligne sur ma boutique, c'est-à-dire que les personnes que vous connaissez, vous allez divulguer l'information, etc., etc., récolter des commandes, entre guillemets, les personnes passeront commande directement sur mon site marchand en rentrant mon lien que je vais vous inscrire en barre d'infos et vous récolterez les petits cadeaux. Donc c'est plutôt très sympathique. Si vous voulez des produits de qualité, mais vraiment de grande qualité, des produits aussi qui défendent la femme à travers le monde et les enfants, puisqu'en fait quand vous achetez des produits chez Unique, vous avez une partie de ce que vous dépensez qui va être versée à une association d'aide contre les violences sexuelles et contre le banniement de l'innocence de l'enfant. Voilà, donc c'est plutôt très intéressant et ça a une démarche quand même assez sympa. Hein, voilà, donc c'est plutôt bien de soutenir ces associations là. Voilà, donc c'est bien pour vous de le savoir. À savoir aussi que lorsque vous achetez un produit Unique, vous avez 14 jours pour le tester et vous le retournez s'il ne vous convient pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je l'ai ouvert, ça n'a pas d'importance. Vous avez 14 jours pour le tester. Donc, pour le tester, il faut bien que vous l'ouvriez. Donc, vous ouvrez votre produit, vous le testez. S'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, que ce soit au niveau du produit, ou si tout simplement, il ne vous correspond pas. Je vais vous donner un exemple. Vous achetez un fond de teint et en fait, vous n'avez pas la bonne teinte. Donc, soit, en l'occurrence, moi, je vous aurais mal conseillé. Hein, voilà, je suis désolée. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais on sait jamais. Soit vous vous serez trompé, vous voulez absolument cette teinte et vous vous êtes trompé. Vous pouvez tout à fait le retourner. Et si vous le retournez, donc le retour se fait à vos frais, mais l'envoi du bon produit sera gratuit.
Et si jamais voilà, un produit est défectueux, s'il y a quoi que ce soit, donc soit on vous retourne un produit de même tarif, soit on vous rembourse le produit. Donc ça, c'est plutôt bien. Si votre produit est défectueux, dès que vous le recevez, il y a un gros problème, etc., etc., vous avez une garantie de 90 jours sur tous les produits de la marque Unique. Donc pareil, là, par contre, c'est pris en garantie. Vous pouvez retourner votre produit. Donc ça, bien sûr, à chaque fois, vous me contactez, moi, et c'est moi qui m'occupe, on va dire, des opérations administratives. Hein, ce n'est pas un souci. Mais voilà, vous savez que vous avez une garantie réelle de 90 jours sur les produits, sur la qualité des produits, et vous avez 14 jours pour les tester, et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez les retourner. Donc c'est quand même très intéressant, c'est là aussi qu'on voit que ce sont des produits de qualité, parce que sur des produits, on va dire, de qualité moindre, on n'a pas des garanties comme ça. Donc c'est vraiment très 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 intéressant, il faut le savoir, et il ne faut pas hésiter à recontacter la personne qui vous aura fait acheter ces produits. Donc on est là pour ça, hein, pour vous conseiller, pour s'occuper des petits soucis que vous pouvez rencontrer si jamais vous en rencontrez. Hein. Il ne faut surtout pas hésiter. Et puis, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc, tous les liens en barre d'informations. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Même si vous n'avez pas envie de commander, vous pouvez aller regarder les différents produits, les différentes couleurs. Parce que là, je vous ai montré vraiment un tout petit peu de ce qu'il y a sur le site marchand. Hein. Vous avez vraiment une multitude de produits. Donc, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, je démarre depuis quelques jours. Donc, c'est toujours très, très, très sympathique. De pouvoir faire des petites ventes dès le départ. Vous avez des produits plus ou moins onéreux en fonction de ce que vous recherchez comme produit. Mais bon, après, quand on tombe sur des produits de qualité, on peut mettre un prix un peu plus élevé. Et puis, je connais des produits. Je fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.